Et bonjour à toutes et à tous, c'est Munchy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Dead Space Remake. Épisode précédent, c'est simple, on a trouvé le réservoir d'hydrazine et le défibrillateur qu'on a été chercher dans les différentes ailes médicales. Entre une zone sans gravité, une zone sans oxygène, des ennemis qui sautent dessus, des bébés qui balancent des pics, voilà, des bébés qui sortent avec des espèces de tentacules de leur dos, là, ouais, c'est dégueulasse. Bref, on s'en est sorti après moult péripéties. Et on peut poser enfin notre bombe pour dégager le passage et aller chercher le rig du capitaine. Donc on va faire ça, c'est parti. Ouais, peut-être se mettre à l'abri, non? Ou tirer dedans? Se mettre à l'abri avant l'explosion, ok. Ça marche. Et boum! Bon, on a plus qu'à avancer. Donc, ennemi. Allez, dégage. Allez, là, je peux fouiller les urgences maintenant. L'objectif secondaire, maintenant, je pourrais le faire. Très bien. N'oubliez pas de chercher le corps du capitaine Matthews une fois dans la mort. Ouais, bah ouais, minute. Et on aura accès à l'ordinateur. Minute, minute. On va essayer de le faire. Une chose à la fois, bien sûr. Amélioration d'arme. Amélioration d'arme, cutter plasma. D'accord, on améliore le cutter. Ah, niveau 1, merde. Sécurité requise. Toujours pas d'habilitation. J'aime pas ça. Un hologramme là. Niveau 1 ici aussi. Des cadavres hein. J'aime pas trop de voir des cadavres. Un peu partout là. Textuel, putain, c'est pas vrai. Journal du pôle médical, docteur, rapport d'observation psychiatrique. Harris dort après une autre dose de sédatif. Il semble littéralement incapable de dormir sans aide chimique. La plupart des gens succombent à l'épuisement après plus de 50 heures de réveil, quelles que soient les circonstances. Pas Harris. Son explication bizarre des événements de la colonie témoigne de la même paranoïa qu'on a déjà remarqué ailleurs. Sa culpabilité ne fait aucun doute. Deux agents de sécurité étaient présents quand il a pris le docteur Ciarello en otage, puis assassiné l'infirmière Evans. Harris ne nie pas. Evans, pardon, il y avait un point. Harris ne nie pas ses actes, mais il ne présente aucun remords. En fait, il insiste sur le fait qu'il n'y a pas eu de crime. Plus précisément, Evans n'était pas infirmière quand il l'a tué. D'accord, ok, ouais, taré quoi. C'est un comportement classique de sociopathe, mais Harris ne présente aucun autre symptôme. Il est affable et amical, capable de faire preuve d'empathie et de formuler des opinions personnelles. Cependant, lorsque l'interroge sur le meurtre d'Evans, il se retire et ne communique plus. Il affirme que l'explication est coincée dans son esprit et qu'en parler brouillerait son message. Il subit également des périodes d'hallucination intermittentes, également similaires à celles subies par les autres colons. Au cours de ces longues périodes d'éveil, Harris a écrit sur toutes les surfaces disponibles, affirmant que les rêves ont besoin de parler et qu'il n'essaie de ne faire plus qu'un. Je n'ai pas encore déterminé ce que cela pourrait signifier, étant donné la complexité de son dossier, j'ai l'intention de contacter mes collègues pour recueillir d'autres avis. Et les putains, sacré Harris. Alors, je veux... Voilà, je veux juste démembrer, en fait, pour pas qu'on me casse les couilles par la suite. Niveau 1. Niveau 1. De sécurité requise. Bon, je vais regarder ce truc-là, hein. Ah bah c'est Nicole. Transmission en boucle à tout le personnel. Ici l'officier médical en chef Nicole Brennan. Le pôle médical est envahi. Venez nous aider. Regardez ces blessures. On ne peut pas gérer autant de cas aussi graves et le commandement ne veut rien nous dire. Oh, il convulse. Oh, merde. Il me reste peut-être du phénobarbital. Parti là-bas. Oui, les urgences. D'accord, c'était l'objectif secondaire. Bah, d'accord, c'était sur suivre l'hologramme de Nicole. Ouais, bah, elle est partie là-bas, hein, donc... on va essayer de trouver un moyen, je pense. On démonte tout ce qu'on trouve. Je m'en bats les couilles.
Allez hop. Bon, j'annonce, j'ai touché au truc, là ça va être la merde, on est d'accord. Ça dégage. Après il y a plein de trucs hein, ouais, je vais pouvoir me défendre facilement. Il y a plein de trucs qu'on peut lancer. Je vais essayer de les retenir parce que là c'est clair. Ah ça je peux le jeter aussi. C'est un truc électrique, je sais pas quoi. Donc j'ai vu, il y a un... Ouais, il y a un harpon. Il y a ça. Il y a quoi d'autre qui pourrait m'aider? Il y a les grosses caisses, ouais, bon ça les assommera juste. Il hein. Y a un autre harpon ici, ok très bien, d'accord. J'ai déjà deux harpons. Pas mal, ok. Bon, on va essayer de faire ce qu'on peut. Faut éteindre pour ça part d'être trop gênant pour l'instant. Surtout quand je vais déplacer la batterie, je pense. Ouais, elle est partie là-bas, Nicole, hein. À mon avis, on peut. Ah, ok. Parfait. Bon bah elle était là je suppose, ok. Journal médical, docteur Nicole Brennan. J'ai bien fait des paranoïaques. Ok, cette salle pour diriger des séances de conseil sans que les unitologues n'interviennent. Maintenant, c'est le seul endroit où je me sens en sécurité. J'ai récupéré un morceau de corps de l'attaque d'hier. Génétiquement, c'est du tissu humain, mais il a subi d'étranges mutations. Mais c'est qu'un échantillon. C'est pas suffisant pour un remède. Attendez, vous me passez ce rapport de l'ingénierie? Ah, voilà. L'ingénierie? Les ingénieurs ont retiré quelque chose de leur machine. Il manque des membres, le buste est intact. Bon. C'est parti pour l'autopsie. Donc, le 10 secondaire est fait, encore une fois. Trouver le lieu d'autopsie dans l'ingénierie. Ah, faudra que j'aille dans l'ingénierie. Ok, c'est une quête secondaire qui va suivre un peu plus loin sur le jeu, quoi, d'accord. Merde, il est où mon... Oh, il est là. Essaye de le garder en vue parce que c'est vrai que j'ai cru qu'il avait disparu. Bon, on va t'éteindre, toi. Voilà. Fais-moi conscient. Dégage. Fais chier! Ouais, il y a le bébé là-bas, ouais, j'ai vu! Enfoiré! Il reste plus que lui, je crois. Hein. Il est où? Il est où cet enfoiré? Ah, ok, il me court après! Ah, ok, d'accord. Allez, dégage. C'est pas vrai, hein. Je crois que j'ai buté tout le monde. C'est bon? Ok. Ah, les harpons qui m'ont fait économiser pas mal de munitions, là, hein, pour le coup. C'était très sympa. Et en plus, j'en regagne derrière, donc c'est parfait. Allez, hop, ça dégage. Bon sang. Ah, faut garder son calme et faut préparer les attaques, hein, je vous dis. Ok, très bien. On va pouvoir continuer. Ouais, donc la batterie, non. La batterie, je disais, voilà. Ah, j'ai pas été là-dedans, en fait, fouillé, non? Ouais, j'ai pas été là-dedans, fouillé. Tac. Et encore des crédits, y a rien à ramasser, ok. Ah, là. Passe pas. Monte ton inventaire là parce que j'ai l'impression que j'ai ramassé énormément de trucs. Ouais, j'ai deux modules de stas, c'est pas nécessaire, je vais peut-être en vendre un dès que je peux. Ok. Ok, ok. Oh putain, c'est quoi cet endroit? Cauchemar.
Je veux te mettre en charpie, mon gars. Voilà. J'ai aucune race à prendre mon temps. Voilà, on pourrait dire, oui, il y a beaucoup de cadavres, donc flemme. Bah non. Non, en fait, justement, le jeu veut ça, en fait, justement. Donc non. Hors de question. Hors de question que je me fasse baiser plus tard, parce que j'ai eu la flemme de démembrer des cadavres comme ça, c'est mort. En mode normal, je m'en battrai les couilles, mais pas en mode difficile, quoi. Ok. Bébé qui passe, ok. Très bien. Dégage. Alors, le trou de merde ici, là. Niveau 2. Habilitation de sécurité de niveau 2 requise. Ah, munitions ? D'accord, j'ai pas tilté. Viens là, toi. Non, pas ça. Pas une chaise. L'huile. Voilà. Bon, tout inutilisable. Je t'ai coupé les deux bras, mec. Dommage, hein. Et je t'ai décapitatide. Nickel, hein. Bon. Non, c'est pas la même, c'est ça. Merde, dommage. Faut aller où, là? On va aller par là, du coup, forcément. Demande de sécurité retrouvée. Vous m'avez dit. Je me suis réveillé dans le noir et je l'ai entendu gratter au mur. Ok, ça marche. Et vous m'avez enfoiré. Ok. Enfoiré. Je vais les taillader. Je pense qu'elle va les taillader. Elle a pas assez dit, quoi. Très bien. Allez. On démembre. C'est ça que je veux. C'est bon, on a ce qu'il faut. Ouais. C'est dégueulasse, non? Derrière moi, putain, je me semblait bien que j'avais entendu du bruit. On va prendre un peu le flingue, la mitraillette, non? Vite, la mine! Ah, la boum! Putain! Ah, LED! Ah, il y en avait beaucoup, là. Ça va être chaud. Si j'avais pas utilisé la mitraillette, là, ça va être vraiment compliqué. Ouh, je m'en suis sorti. Encore une fois, sans prendre de dégâts, c'est cool. Mais ouais, j'ai pas compris, en fait. Je crois que j'ai planté l'ennemi pendant son script. Du coup, ça a pas marché. Dommage. Bon. Point de force, ça valait le coup. Du coup. On a l'audio, une issue oxygène, ok. Vous étiez au bloc, alors j'ai laissé Warwick s'en occuper. Il saura être discret. Je viens de recevoir le dernier rapport du G7. La situation est bien pire que ne veut bien le dire le capitaine Matthews. 40% de la population de la colonie affiche des symptômes à présent. Dépression, hallucination, excès de violence. Des gens meurent là-bas. Je suis convaincu que c'est lié au monolithe. Putain. Je n'ai pas assez de données. Mercer. J'ai peut-être eu tort. Il nous faut à tout prix des réponses. Ce patient. Ok. Et peut-être notre dernier espoir. Je peux pas trop rejoindre, non? Ah ouais, d'accord. Oh, tout ça pour ça, quoi? Ah, c'est dégueu, hein. Oh, boy. Bon, bah voilà, on peut rien faire pour eux. Très bien. Bon. Ramassons tout ce qu'on peut. Hein. Et continuons. Ah, sauvegarde. Il y avait un petit moment déjà. Ok, impec. Verrouillé. Vers la morgue, du coup.
Ça me vend pas du rêve, hein. J'ai vraiment rien raté, en fait, ouais. Faut faire vérifier, hein, on sait jamais. Ah non. Ok. Wouah, c'est quoi ce débord, quoi? C'est le bordel là, au secours, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, les fenêtres se sont pétées, du coup il n'y a plus d'oxygène. Ah, les bébés. Il y a la gros bébé. Ouais, vas-y, je vais changer l'orientation, c'est pas grave, hein. Dégage, voilà. Je veux juste écraser en fait, voilà, merci. Une batterie là. Je m'en serve. Pas d'ennemis qui pop derrière moi, c'est bon. On n'est pas à ce stade de puterie. Ok, bon, on prend l'ascenseur alors et on se casse. Voilà. Parti. On pue que la petite musique là. Ok. Oxygène, j'aime pas ça. Encore beaucoup de cadavres là, c'est relou. Allez. Bah, toutes les pièges nettoient les cadavres, moi je me suis assez fait baiser, hein. En 2008, pas deux fois quoi. Non, lui il est embaumé donc c'est bon, on s'en fiche. À toi là-bas. Je veux le cadavre, hein, SVP, merci Peter, je veux ça. Ok, parfait. Voilà, viens ici. Ok. Voilà, pareil, viens ici. Je me sentirai mieux. Une fois que tous les cadavres seront dégommés. Ouais, la morgue, ouais, c'est mort. Hein. Hors de question. Munition dans le fond du casier, très bien. Original. On a vu qu'il y a un truc de stase par terre, c'est pas là pour rien. Hein. Ah, on a le textuel. C'est malheureux. C'est malheureusement mon devoir d'annoncer officiellement la mort du capitaine Benjamin Matthews. Ah merde, il est mort le capitaine. Les rapports et circonstances exactes se contredisent et ce sera aux enquêteurs de les déterminer une fois que nous serons rentrés. Je vais limiter mes commentaires à l'état du corps. Le sujet est en bonne santé générale pour son âge, bien qu'un test sanguin rapide indique que son nombre de leucocytes était très faible. Avec des éosinophiles, je sais pas ce que c'est. Quasiment inexistant, son examen physique d'avant-vol n'a montré aucun problème, ce qui suggère une progression rapide, mais ça ne semble pas avoir d'impact avec sa mort. Sur sa mort, pardon. Plusieurs contusions sur les bras et les mains indiquent une brève lutte ante-mortem. Des contusions légères autour de la cage thoracique indiquent qu'il a été retenu probablement pendant une courte période. La mort résulte d'un traumatisme prolongé au niveau des yeux qui a transpercé la cavité et atteint le lobe frontal, causant un traumatisme neurologique rapide, une attaque puis la mort. Génial. L'angle de pénétration dans la cavité oculaire indique que la blessure n'a pas été auto-infligée. L'examen requiert que je retire l'objet pour confirmer la mort de la cause de la mort, mais je l'ai laissé en place afin de préserver les preuves pour l'équipe chargée de l'enquête. J'ai donc d'autre choix que d'enregistrer mon verdict préliminaire de mort non naturelle. Le fait de conclure si elle est accidentelle ou délibérée est hors de ma juridiction. Très bien. Merci le médecin de bord, hein. Parfait, parfait. Encore un truc de niveau 1. Habilitation de sécurité requise. Et la cinématique. Ah, c'est le capitaine, lui, d'accord, ok. Oh putain, bah c'est ça. Voilà, c'est ces ennemis de merde là qui transforment les cadavres. C'est bon, je m'en rappelle. J'ai bien fait péter tous les cadavres juste avant, hein.
Voilà, à l'aide, au secours. Mais, il y avait un cadavre que j'avais pas vu là-bas, c'est une blague? Ouais, je me suis quand même fait baiser, il y a un cadavre que j'ai pas vu, lui il l'a pas loupé, hein. Vous inquiétez pas. Dégage-toi, voilà. Dégage-toi aussi. Putain, gardez-moi la rage, il a plus qu'un seul morceau, il continue à me faire chier, hein. Putain. En plus, ouais, ceux qui sont réanimés, je me rappelle, ils sont deux fois plus forts, ouais. C'est un carnage, faut vraiment démembrer tous les cadavres que je trouve. Hein. Ça, c'est sûr à 200%, quoi. Pouf, à la rigue du capitaine, on l'a, c'est bon. Parfait. Zach, au rapport. Vous avez les rigues du capitaine ? Eh merde ! Je prends le téléphone maintenant. Je l'ai vu, Amon. Un qui volait a changé le cadavre du capitaine en un de ces trucs. Il a dû arriver la même chose à Chen. Merde ! Ah, je l'avais pas vu, non. L'ordinateur de commandement contient quelque chose. Ah, où est Daniels quand on a besoin d'elle? Retournez au poste de sécurité, c'est plus sûr là-bas. Ouais, bon, augmenter votre habilitation. Ah, augmenter mon habilitation, c'est-à-dire que tu vas m'augmenter mon niveau de sécurité, c'est ça? Ah bah voilà, c'est fait en fait, ok, d'accord, je pensais qu'il allait le faire. Attendez, parce que je crois que j'ai pas remis ma tronche, voilà, bonjour. Ok, donc là maintenant je peux passer dans les portes niveau 1. Ah c'est bien parce qu'on va pouvoir commencer à faire de la réexploration, à la Metal Gear en fait. Bon là c'était niveau 3, hein. Par contre, je viens de voir un truc là. On peut pas changer d'étage? C'est quoi ce bordel? Je vois l'aperçu en haut à gauche, mais je peux pas changer d'étage en fait. Ça c'est mal branlé, c'est-à-dire que je vais devoir me redéplacer dans tous les trucs quoi. Sans pouvoir zoomer, etc. Oh, c'est chiant. Oh là là, ok, bon soit. Habilitation confirmée. On va essayer de le faire progressivement dès qu'on a un nouveau une nouvelle habilitation de sécurité, sinon ça va être trop long. Hein. On va plus se souvenir et tout, on va devoir tout refaire. Non, c'est chiant. Hein. Ça fait peur, putain. Isaac. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe, bordel? L'ordinateur affirme que les moteurs de l'Ishimura sont HS. Nous sommes en orbite descendante vers Aegis 7. Oh putain. Je dois atteindre la zone. Je suis revenu là, ok. On n'a pas le temps. Cette station de tram est hors ligne. À moins que... Là. Retournez au pont de lancement, je vous guiderai de là-bas. Si ce rapport de dégâts est exact, il y a un raccourci pour l'ingénierie. Ah, je vais devoir revenir en arrière. Après, faut faire gaffe parce qu'il y a les trucs qu'on peut ouvrir aussi, hein. Les espèces de petits casiers de merde, là. Oui, ça, là. On peut les ouvrir aussi. Faut faire gaffe, hein. Regardez. Habilitation confirmée. Faut pas négliger, hein, ça aussi, hein. Quelle connerie, hein. Là, dans cette pièce, il y en a aussi des casiers, là. Niveau 2. Ouais, bon. Niveau 1, ok. J'ai gagné au moins ça. 1200 crédits, ça se prend, hein. Bon, très bien, ok, bon, on va pas non plus refaire tout, hein. Juste les portes, hein. Ah oui, le truc de point de force, lui, il était niveau 1, lui. Exact. Putain, encore un point de force, quoi, ça fait le troisième que j'ai, là. Hein. Je vais me faire tellement plaisir quand je vais retrouver un établi, moi. Ok, go. Revenu là, ok, donc là faut revenir vraiment au début. Très bien. Retourner à la boutique toujours parce que j'ai une amélioration d'armes, je crois, non? Ou faut que j'aille à un établi pour améliorer mon arme? Faut que j'aille à un établi pour améliorer mon arme, c'est ça? Ok. Ah ouais, trois trucs de stats, non, c'est trop. Faut que j'en vende deux, pas possible. Pareil pour les soins, limite j'hésite quoi. Je vais pas reprendre un autre point de force, je pense pas. Ah, j'ai 4 points de force en fait, ok, là, c'est pas mal. Ouais. Enfin, que je trouve un établi, hein, moi. Je sais pas si on a un dans quoi en fait. Les légendes, c'est quoi? Stase établi, d'accord, ça ressemble à ça.
Regarde si j'en trouve un rapido. Il y en a un là, mais c'est loin. C'est très loin. Non, c'est mort. Non, bon, on va revenir en arrière. De toute façon, je vois pas de porte niveau 1, tout du moins, dans l'immédiat. À moins de descendre. Et de chercher. Oui, on va faire ça, je pense. Hein. Allez, on va descendre. On va sauvegarder avant, bien sûr, parce que là, c'est... on a quand même bien joué. Parfait. C'est bon, on a récupéré le rig du capitaine. On peut pas l'ouvrir. De sécurité de niveau 2 requise. Ha ! Allez, dégage. Je m'éclatais un petit peu avec lui, je vous cache pas. Hein. C'était marrant. Voilà. Ouais, elle est là-dedans, mais il me semble que si on retourne par là, vers le bas, il me semble qu'il y avait une porte niveau 1, si je dis pas de conneries. Hein. Ouais, bien sûr, je la vois d'ici. Allez, c'est parti, on y va. Le loot m'appelle. Non, c'est par là, derrière la porte. Ah putain! T'abandonnais jamais en fait, hein, c'est ça? Dégage. Mais... non, ils savaient que j'allais revenir ici pour le loot, du coup ils m'ont fait popper deux ennemis, c'est vraiment des bâtards, hein. Sérieusement, quoi. On t'a encore des ennemis. Les munitions, ça se passe comment? 21 balles, ok. Ça commence à descendre, hein, le cutter placement, hein. C'est pas bon, hein. Dégage. C'est une saloperie qui contamine en plus. Fallait vraiment la tuer, quoi. Il y avait un cadavre ici en plus. Ouais, non, non. Horrible. Soin, ok. Munitions, crédit. Munitions, crédit, ok. Bon, au niveau des munes, là, on va commencer à prendre la mitraillette, je pense. Pour faire un peu de place dans l'inventaire, je crois, ouais. Allez, on va faire ça. C'est parti, let's go. Je peux continuer par là si je le souhaite, mais je sais pas si c'est value. On va tester, écoutez, hein. On prend le chemin le plus long, vraiment, hein. Des bruits de ouf là. Il y a des bruits de malade mental au-dessus là, mais c'est horrible. Allez, on y va, mais je le sens pas du tout, quoi. Ouais, dégage, voilà. Établi, ah tiens. Bonjour toi. J'en avais besoin. Nouvelle capacité spéciale. Et j'ai gagné un point de force, parfait, j'ai 5 points de force. C'est énorme. Je peux augmenter encore mon cutter plasma. On va peut-être se calmer un petit peu. Surtout améliorer déjà l'air de la combinaison, ouais. L'énergie de la stase, ça peut être bien. Les PV, je sais pas trop en fait, j'ai pas encore trop pris cher.
On se garde un point pour soigner plus tard. L'arme d'assaut. La capacité et les dégâts, ouais, ouais, ça me va. Ok. Et pour le cut d'emplacement, on va peut-être augmenter un peu la capacité qui permettra d'avoir plus de dégâts plus tard. Ok, ouais, parfait. On va dire que c'est bien. Ça va, je me suis bien amélioré. Là, ça va faire plus mal. Nickel. Ok, parfait. Bon. Je suis revenu ici, ok. Du coup, le tram va revenir. Il était là-bas, du coup, j'ai fait le chemin sans le tram. Amusant. Attendez, parce que oui, de mémoire, il y a une porte niveau 1 là-bas aussi. Hein. Faut que je retourne en arrière, en fait, j'ai pas le choix. On va d'abord voir ce qu'on peut faire à la boutique, mais... Qu'est-ce que... Ouais, ça, ça vend. Putain, je suis à... Ouais, je suis à presque... Oh, tellement pognon. Vas-y, je vais vendre un soin, c'est bon, nique, hein. Nimi, je pourrais peut-être même voir pour acheter un point de force par la suite, on verra bien. Pour l'instant, on reste comme ça, je vais essayer d'aller ouvrir cette porte, là. Et je crois que c'est par là qu'il faut que j'aille, de toute manière, non? Si je fume pas du mauvais winch. Enfin, je descends ou je monte, là, en fait. Ouais, c'est bon, c'est par là. J'ai été dans ces chiottes, là, je m'en rappelle plus. Oui, j'ai déjà été, ok, c'est bon. On est revenu au début, ok. Ah, j'ai eu peur. Ouais, c'est Chen qui se fait tuer, ok, d'accord. C'est bon, on est revenu là. Ça empêche que je peux aller chercher mon niveau 1 et je vais aller chercher maintenant, en fait. Parce qu'il faut que je retourne dans le hangar, c'est là où il y avait mon vaisseau. Donc on va le faire, bien sûr. Ça sera l'aller-retour qui clôturera cette vidéo. On va se remettre en danger un petit peu. Ouais. Si c'était des... c'était la turbo merde déjà ici, je prépare avec ça, tiens. J'ai déjà été à droite ici, hein. Apparemment ça va, ils nous foutent la paix ici. On descend. Prépare, hein. Au pire. C'est quoi ce gros truc? C'est quoi ce gros boom là? Il y a eu un énorme boom là, ça a vibré de partout, c'était quoi ce bordel? Il y a un bruit bizarre. J'aime pas ça du tout, hein. C'est horrible ce jeu, tu repasses dans un endroit que t'as déjà visité, c'est, ça te fait quand même flipper quoi. Dégage enfoiré, bah, il va toucher, c'est pas vrai. Oh merde hein. Je pensais que c'était safe ici, bon bah je me suis planté hein, visiblement. Ordure. C'est pas vrai hein. Il me crache dessus, hein, ce connard. C'est pas vrai. Voilà que je voulais aller. Ouais, c'est bien ça. Habilitation confirmée. Ouais, un point de force. Je fais pas ça pour rien, hein. Je m'en fais en mune. J'ai peur du conduit de ventilation ici par contre. Point de force.
Et un pingou là. Et un petit pingou. Ça ne change rien, très bien. C'était pour la déconne, visiblement. Alors. Y'a rien d'autre, on est d'accord. Hein. J'ai ouvert. Ouais, j'ai plus qu'à me rebarrer. Ok, très bien. Je fais ça pour un putain de point de force. C'est une blague, hein. L'autre est mort. Toi, ils étaient à distance, eux. Ils vont sortir, mais putain, les mecs, vous êtes sérieux? On a pas assez? Bordel. Je sais pas si c'est aléatoire, si quand il pop, mais ouais, en tout cas ça fait flipper. Hein. Bon, parce que du coup avec ces conneries je crame des munitions, hein, bordel. Faut faire gaffe, hein. C'est un truc de ouf. Ouais, on va commencer à réutiliser le cutter plasma, je pense. Allez, on se casse. On va essayer de rester prudent parce que maintenant je sais que ça repop. Je sais pas si c'est random. En tout cas, ça rajoute de la pression, hein, vraiment. C'est horrible. Parfait, j'ai plus qu'à me barrer. Allez. Ouh. Je crois que j'ai rien oublié du coup. Quand on faut au fur et à mesure, ça va, hein. Faut juste prendre le temps, quoi. Reste prudent, mais ça a l'air d'aller, ouais, ok. C'est bon, allez, on se casse. Allumer les putains de lampes, merci. Voilà. Bon, on va retourner à ce putain d'hangar, mine de rien. Oui, il est juste là-bas. Donc, écoute, on va sauvegarder là. Ouais, on a 38, donc écoutez, on va s'arrêter ici. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. L'espèce remake, donc ouais, très bonne surprise. Hein, le coup de tu retournes, sortez pas pour fouiller les pièces. En fait, t'es jamais tranquille, t'es jamais... Rien n'est jamais acquis parce que les ennemis, ils repop. Je pense que ça repop, hein. Dites-moi si je me trompe, mais... Le bébé. Ouais, donc dites... D'accord. Dites-moi si je me trompe, mais je ne pense pas. Je me rappelle plus si ça faisait ça déjà dans la première version, hein. Je pense pas. En tout cas, c'est cool, ça rajoute de l'attention, hein, parce qu'en plus, là, putain, les ennemis étaient fous, hein. Bon, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, si c'est le cas, vous abonnez à la chaîne, likez, sur la cloche de notification, je vous fais des bisous. À la prochaine, pour une prochaine vidéo, allez, des bisous pour toujours, pour tout vous bien. Salutations.